Yo tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième vidéo sur les fameux visuels des équipements qui vont sortir avec l'arrivée du prochain tournoi d'Osiris. J'ai fait précédemment une vidéo sur le stuff de l'arcaniste, mais je le trouvais vraiment pas très très réaliste, pas très très concret. Ce n'est pas le cas pour le chasseur qui, je trouve, est beaucoup plus efficace. Là, vous avez un premier casque qui est bien évidemment le casque de l'observatoire. Donc, je vous expliquais dans la vidéo précédente qu'il y a deux séries d'équipements qui sortent, donc les casque, manteau, etc. de l'observatoire et les bottes, etc. de l'exil. Donc à chaque fois, deux types d'équipements par classe, par personnage. Donc là, vous avez un visuel plus ou moins réaliste de l'un des casques, donc celui de l'observatoire du chasseur. Et vous avez le deuxième qui ressemblera à ceci et qui sera le casque de l'exil. Et je pense honnêtement que tous les chasseurs ont déjà un petit coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, là où je trouve qu'il y a un travail nettement plus efficace que sur l'arcaniste, voici le premier torse. Donc qui sera le torse de l'observatoire. Donc bien évidemment, on retrouve ces couleurs jaunes dominantes que vous aurez lors des procès d'Osiris, donc lors du tournoi en PVP. Et vous avez ce deuxième torse qui est vraiment là très réaliste, très bien fait, on voit bien l'œil d'Osiris. C'est pour ça que je vous disais que je trouve que le staff du chasseur est nettement plus efficace et nettement plus beau en termes visuels que celui de l'arcaniste. Vous avez donc le dos de ce torse et pour continuer, vous avez les gantelets. Donc un premier gantelet qui est le gantelet de l'observatoire et bien évidemment le suivant, le gant de l'exil. Ensuite, vous avez les jambières. Donc celles-ci sont plutôt sympas. J'aime beaucoup le gant en tout cas qui est en croisillon comme ça. Je trouve ça assez sympa. Et pour terminer, vous avez les deux capes. Donc la première cape qui sera celle de l'observatoire. Donc l'observatoire, c'est vraiment l'espèce de soleil, et celle de l'exil. Donc c'est vraiment celle qui a l'œil d'Osiris juste derrière celle-là. Je la trouve juste magnifique. Voilà, c'est très très court, je vous avais prévenu pour cette petite review du stuff d'Osiris qui sortira très prochainement. On n'a pas de date précise comme je vous le disais. Maintenant, il reste simplement à attendre la sortie de cet événement qui, je pense, verra le jour avec l'arrivée du prochain DLC. Quoique certaines rumeurs disent qu'elle finirait par tomber peut-être un petit peu avant, affaire à suivre. On se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière vidéo sur le stuff du Titan pour ce fameux tournoi d'Osiris. Gros bisous tout le monde!